Tiens tes oreilles, deviens donc prioritaire. Oublie le sectaire, ma zik se moque des frontières. Elle est là pour détendre l'atmosphère tendue. Envole-toi avec moi, envole-toi avec nous. Au-delà des nuages, le soleil au prix de mille feux. Sont volés pour être libre comme Max. Léger comme Jordan de la paire de Air Max. Le vent de mes pas d'un souffle de jazz qui fait briller mon hip-hop, qui point ne s'écrase. S'envoler pour décrocher les étoiles, les remplacer par des rimes et que dans les sens elles s'étalent. Yo, j'extirpe des bonnes sur nos quantités car nos actes résonnent à jamais dans l'éternité. Tu les as rencontrés, tes collègues? Ça fait très longtemps que je joue avec David, le bassiste. Ouais. Je l'ai rencontré en arrivant à Paris. Mmh. Et tout de suite, on s'est kiffé parce qu'on aimait les mêmes styles de musique, le funk, le hip-hop, le R&B, tout ça. Et donc ça fait quelques années qu'on joue ensemble. Et Guillaume, je l'ai rencontré parce qu'il voulait être mon coloc. Et je savais pas, il s'est retrouvé par hasard qu'on était zikos tous les deux et tous les deux batteurs. Comme par hasard. Comme par hasard, et on se connaissait pas du tout, on s'est rencontrés, on s'est tout de suite plus aussi parce que le même point commun du hip-hop et la grosse passion de la musique américaine et tout ça. Et donc voilà, et c'est parti d'un délire tout bourré de se dire qu'on avait monté un groupe de covers en fait. Donc c'est parti avec Guillaume et après moi j'ai ramené David sur le point. Vous avez senti le concert ce soir? C'était de la boulette, plaisir. Ouais. Super bien, c'était super. Je crois que tu peux rapprocher. Ouais, s'il te plaît. On va voir, tu es plus petit, je peux mettre comme ça. Ah, ouais. Et moi alors? C'était super bien. C'était notre meilleur concert selon moi et un des fans qui a vu tous nos concerts. Ah ouais? Ouais, c'était un des. Et il était pas bourré. Il était pas bourré. Il était sincère. Remember, think sharp, man, listen, any day your last day might come, so you can hide, you can run, late night or in the shadows when the daylight comes, remember, yeah, it's like this final destination, you're trying the best to make it, this ain't be patient, but you know you're doing the best is chasing, heart beat, buzz racing, but I keep the pacing, trying to beat the best and beat the best, by the Gracie, grapplers, the top of the robbers, for all altercation, a chanté, le bassiste a chanté. Ouais. Voilà, ça part entendu. Hein. Mais j'ai pas entendu, trop entendu quand t'as chanté. Ouais, c'est vrai. J'ai pas chanté, j'ai braillé. Ah, c'était fondu dans la fondue. On t'entendait beaucoup. Moi? Ouais, notamment sur la chanson d'Alia. Tout à fait. C'est normal. C'est lui l'attraction de ce morceau. Voilà. Ah ouais. Oui, j'ai dû remplacer une chanteuse à la dernière minute. J'ai avoir une chanteuse. Non, c'est. Non, mais comme je fais très bien les voix, les chœurs. Très bien la chanteuse, en fait. C'est D'accord. Et là, en fait, on a fait une partie de nos sets du show. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a une autre partie où je fais plus de chœurs, justement, de voix féminine. All right,
dire un florilège quoi, vous avez pris Ouais, c'était un peu pourri quoi. Il y avait un tiers du set. Un tiers du set. Là, c'est ce qu'on a joué, c'est l'ouverture, un petit peu une impro. Et normalement, ce qui suit derrière ça, c'est la première préface. La première préface, ouais, le premier tiers. Et donc normalement, ce qu'il y a après, normalement, il y a un mix, un medley uniquement le track Outlast et Cultiv. D'accord, faut pas trop en dire parce que bon. Ah, je mets juste la petite graine. Ouais, voilà, ouais. 40. Okay. Donc normalement, il y a ça, il y a un petit peu de track Outlast et après, il y a un mix très dansant qui dure 40 minutes et qui est très funky. Et après, il y a un final qui est une surprise et dont je ne parlerai jamais en interview parce que les gens vont venir le voir. En fait, vos influences, c'est vraiment le hip-hop des années 90. Alors ouais, bah, nous on est trois personnes qui sont pas du tout fondamentalement hip-hop. Donc on a vraiment découvert des choses qu'on n'a pas grandi avec. Donc je pense que nos premières influences, c'était les trucs d'abord de notre époque. Ouais. À savoir, je pense que nous on est beaucoup influencé par le travail récent de Q-Tip, qui est un travail moderne, récent, qui n'était pas avec des platines, avec des vrais instruments. Moi personnellement, c'est ma première influence, je sais que mes comparses aussi. Et je pense que la plus grosse influence, c'est ça, c'est le hip-hop joué avec des vrais instruments de notre jeunesse, à savoir The Roots, quoi. Q-Tip dans sa version moderne et tous les groupes hip-hop acoustiques. Voilà. And walk the water, break out the bag, yeah, the rope. And get reckless with a scale of that home is old. And when I get there, I'll just sit there and take a shit there and put my dick there. You want handle my business? Hell yeah. Là, des reprises, donc il y a une volonté de votre part de déboucher sur vraiment votre propre univers, vos propres compositions. C'est ça. On a un petit plan de bataille à deux vitesses. La première étant vraiment de monter un show de reprises d'animation événementielle, même si en concert ça passe bien. Ouais. Et la deuxième, c'est la création d'un répertoire original de compo. Voilà, bien à nous, bien avec nos influences qui sont vraiment variées. Si je devais citer des influences... Beastie Boys. Les Beastie Boys, pour le côté plus hip-hop, et sinon, pour le côté plus trip-hop, rock, un peu planant dans les influences, il y aurait Massive Attack. Ouais. Gorillaz et les travaux divers de Damon Albarn, le leader de Gorillaz. Les Urban Species, des groupes comme ça. Moi, dans mes premières compos là, qui sont sur le grill, les influences directes, c'est ça, Massive Attack, des choses comme ça. Plus trip-hop, plus calme en fait. Date, il y en a deux, il y en a une qui porte à une date, c'est le 4 janvier, et une autre ça va être le tournage réalisation d'un clip showcase apéro promotionnel. Ouais, voilà. Comme les trucs qu'on peut voir, je crois c'est sur la 5 ou un truc comme ça, genre où t'as des groupes qui viennent
jouer à la maison, genre en appart, tout ça. Là, ça sera vraiment un espèce de studio qui est vraiment un peu cosy confort avec un public sessionné. Trier sur le volet. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc ça sera ça. Il y aura de la meuf ? Il y aura de la meuf, parce que il y aura vraiment, et c'est pas une blague, c'est pas sur ce critère-là, mais il y aura un casting pour le public qui sera invité, sélectionné, voilà, selon les rencontres qu'on aura fait. Donc ça, ce sera une date qui aura lieu, un événement qui aura lieu fin janvier, début février. Peut vous souhaiter pour la nouvelle année qui arrive? D'y croire toujours autant, ouais. Malgré les temps qui font. Je l'avais pas répété en plus. Non, voilà, des bonnes vibes, de l'amour. D'accord. Ok. C'est moi qui dis ça. Non, c'est fou ça. Et je fume pas de jour. Voilà. Non, mais ouais. La réussite pour tout le monde, pour vous. Quoi que vous fassiez, ok. Très bien. Et toi, ton dernier mot? Big up, man. Big up. Ouais. Big up la factory afro-péenne, hein, ouais. Qui a permis de faire ce showcase ce soir. Franchement, on a bien kiffé, c'était mortel. Voilà. Mm-hmm. Ok. Le dernier mot pour toi? Merci aux 4, merci à toute l'équipe. On est venu il y a quelques temps ici, c'était pas du tout la même ambiance, la jam commençait à se former et à monter en grade, et je sais que Guy y a passé beaucoup de temps et ça s'est vu ce soir, les gens étaient là, ils savaient qui c'était tout ça, et l'accueil a été, on est super content de l'accueil de ce soir et je pensais pas du tout, c'est super, ouais, petite grande famille quoi, et donc voilà, bravo. C'était la première fois que tu venais au Cariatide et ouais. Que tu allais jouer prochainement le 27 décembre, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ah là là, c'est bien, tu assures. Tu viens sur la com, je veux que je monte. Bien sûr, s'il te plaît, s'il te plaît. Un flyer, Jeep Stanford. On concert le 27 décembre au Cariatide. Ok. Jeep Stanford. Moi, la guitare et un bassiste. Mais c'est toi? Oui, c'est moi. Donc on te donne rendez-vous, j'espère que tu viendras, toi qui filmes en ce moment. Bien sûr. Donc voilà, ce sera à 21h, entrée libre, avec Mathilda, la super guitariste. Yeah, Mathilda. Mathilda, t'en as surpris plus d'un, hein. On a kiffé, hein. Ouais. Surtout les gens n'ont pas trop l'habitude de voir des filles. C'est ça, hein. Ça les surprend plus, je pense. Mais plus. Et depuis que tu en joues de cette guitare, c'est toujours la même réaction que les gens. Comment t'as appréhendé l'apprentissage de la guitare, de cette guitare? Parce qu'elle a, par rapport à toi, elle a une certaine... Alors cette guitare, je l'ai achetée quand j'avais 15 ans et je suis rentrée dans le magasin et j'ai trouvé que c'était la guitare la plus cool que j'ai jamais vue. Ouais. Parce qu'elle a des paillettes aussi. Mais justement, j'aimerais bien en avoir une autre, mais j'ai pas trop la thune pour l'instant. D'accord. Parce que justement, elle est un peu trop grosse. C'est pas celui-là qu'on porte. D'accord. Donc vous avez entendu. C'est pas du tout un choix stylistique, machin. C'est la guitare que j'ai acheté quand j'avais 15 ans et j'ai pas eu la thune pour m'en acheter une autre.
Donc voilà, si jamais vous voulez aider Mathilda à acquérir une nouvelle guitare, voilà, vous pouvez souscrire. Ah bon? Oui, parce que je pars à Montréal la semaine prochaine pour. Ah bon? Oui! Je suis surpris là, tu me prends de court. Tu le savais pas peut-être? Ben non, je savais pas, j'avais la vérité. Eh ben la vérité, je pars et je voulais faire un gros bisou à tous les factoristes qui vont regarder la vidéo. Et un spécial à Doréa pour tout ce qu'elle fait et pour toi parce que tu contribues. Merci. Et voilà, je veux dire merci, j'ai passé une pure année, j'ai beaucoup appris et quand je reviendrai, je repasserai et je vous souhaite le meilleur. À tous. Elle est belle, n'est-ce pas? Souris à travers les âges, poste comme un baisse. Donne-moi des vibes, bébé. Donne-moi des vibes, yeah. Donne-moi des vibes, bébé. Donne-moi des vibes, yeah. Bien, bien. Tout va, c'est toi le reporter. C'est moi, ouais. Wow. On t'a dit qu'il fallait me parler ou pas? Bah, faut que je dise pas. Tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux, comment tu t'appelles? Moi, Clémence. Clémence. Ok. Non, c'était très chouette. Ouais. Ouais. Et c'était la première fois que tu venais au Cariatide? Ouais. Ouais. Les copains, ils m'ont. Ah bah merci les copains. Bah oui, alors les copains, je les ai déjà vus, j'ai jamais eu l'occasion de... Chaque fois vous partez avant quoi, que j'ai le temps de vous alpaguer. C'est quoi le prénom de la caméra? Le prénom de la caméra c'est Canon. Donc tous les trois vous... On joue ensemble en fait. Vous jouez ensemble, ok. On joue avec elle aussi. Ça s'appelle Sommage. Pardon? Sommage. Projet Sommage. T'es très... Elle est sympa, elle est sympa avec nous. Ouais, ouais, j'ai remarqué. Hein. Ah, c'est bien, bon esprit. D'accord, et donc ça fait longtemps que vous chantez tous ensemble. En fait, on joue ensemble et elle chantait déjà avant. Ouais. Elle nous a proposé, enfin, nous a demandé qu'on l'accompagne. Je les ai rencontrés dans la rue. Dans la rue? J'étais en vacances, je les ai rencontrés dans la rue. Le jour de mon anniversaire, tu vois ça? Ah ouais. Belle histoire. T'as vu? C'est génial. Batteur, c'est ça, ouais. Ok. Yes. Et toi, tu es? Moi, je suis Baltonix, je suis rappeur et pianiste. D'accord, voilà. Ça fait beaucoup. Ouais, tu penses que c'est nécessaire pour une compréhension globale de la musique ouais, je pense de jouer de plusieurs instruments ou... Il y a une certaine esthétique post-contemporaine qui amène l'auteur à vraiment se désidentifier du groupe. Uh-huh. Il ne plus qu'être un individu fondu dans la masse et pour ça il gère sa musique comme une sorte d'instrument et de post-théorème presque idiomatique. D'accord. Presque idiomatique. J'aime quand on part comme ça, tu vois, dans la... Dans la rhétorique, ça tout dire, ça. Ça sonne bien, ça sonne bien. Plus le néo-gatelag, la musique. D'accord.
Et le petit instrument que tu joues, j'arrive jamais c'est à retenir. Mélodica. Le Mélodica, ça t'est venu comment En fait, c'est un pote qui m'a dit ouais, je regarde avec Augustus Pablo. Ouais. Je connaissais pas, c'est un maître du Mélodica. Et voilà. Pounded back from the flank, trying to touch the end. If a chin is edible, so eat my beat rhyme. I hope my story makes you bleed and cry. Ok, y'a plein de gens qui font plein de choses. Bonne vibe, ici c'est l'osmose. T'inquiète, factory, y'a faux payé une rose. Mais lui c'est mon quatrième parce qu'il y en a un qu'on m'a volé dans une gare en Hongrie. Ah ouais, voilà, scandaleux. C'est pour les petites histoires. Et après les flics ont pris le troisième Mélodica. Parce qu'en fait à Barcelone on n'a pas le droit de jouer de la musique dans la rue. Donc nous comme on jouait dans la rue, bah, ils nous ont volé nos instruments, c'est bâtard. Fuck the police. Yeah. D'accord. Tu vas nous faire un petit rap à la caméra? Vas-y, on fait un petit rap. Vas-y. Vas-y. Aussi, hein, ouais, grave. Vas-y, je prends un peu de recul pour vous avoir tous. Yo, fuck the police, coming straight from the underground. Hey yo, nigga, get it back, cause I'm brown. And now the other colors of police pink. They have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause they're the one. Ça va Tania? Ça va. Tu vas bien? Je veux, ouais. Parfait. Ça fait combien de temps maintenant que tu es sur Paris là? Et un mois. D'accord. Ouais. Et en un mois, tu en as fait des rencontres? Mais je veux partir. Tu connais pas Non, faut pas partir. Pas, je pars. Quoi? Pourquoi? C'est le bon de la vie, tout part, tout retour. Tu vas où? À l'Espagne. Mais pourquoi? Il fait trop froid ici, c'est ça? Trop froid ici. Mais oui, mais je suis sûr que les gens sont chauds. Bon, tu vas chanter aujourd'hui ou quoi? Mais je pose des questions, tu réponds. Ah, la rose. Elle veut pas parler, hein. Tu veux pas parler quoi, d'intimité? Grave. Elle est dans mon sac. Elle chante. Mais oui, je sais, mais je veux parler de toi un peu. Les gens veulent savoir. Quoi? Qui es-tu? Non, non, c'est pas ce qu'ils veulent savoir. Est-ce que tu es marié? Ah non. C'est toi qui veux savoir en fait. Voilà. Parce que bon, tu es là depuis un mois, c'est ça? Tu es là depuis un mois. Je parlais pas français. Yes, I do the rest, I live in the sunshine, I want just